tous. Les... Casse. Les Tunisiens ont décidé de ne plus encaisser de but et donc de jouer quelques contres et laisser le ballon aux Congolais. C'est une stratégie à double tranchant parce que ça... Troisième but des Congolais. Troisième but des Congolais. Ce match qui tourne au cauchemar au moment où je disais que ça pouvait se retourner contre les Tunisiens et la tête smashée de Given Segun Luba. Regardez ce centre qui va arriver tendu au second poteau et il y a cette superbe tête de Segun Luba qui ne laisse absolument aucune chance au gardien de but tunisien. Ouf, la bourde. Là, il peut enlever ses gants, le gardien de but tunisien, et les faire cuire et les manger ensuite. Parce que... Parce que ce troisième but, c'est pour lui. Tout seul. Il est fou de rage. Il est fou de rage, l'entraîneur de cette équipe de l'Espérance. Il est fou de rage, Benzerti, parce que... Allez. Parce qu'il ne doit pas comprendre ce qui arrive à ces hommes. Ah, c'est... C'est une soirée cauchemar. Mais vraiment, je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en remettre parce que il va vraiment falloir se remettre dans le bain et ne pas faire n'importe quoi. Sinon, l'addition peut être très lourde. Le contre congolais qui s'organise sur le côté droit. Ont-ils les moyens, les Tunisiens, ce soir de marquer ne serait-ce qu'un but? Ont-ils les moyens de se révolter face à une équipe congolaise pas dominatrice mais qui a en plus de la réussite? Attention! Et le quatrième but. Autant dire que c'est terminé pour cette première partie de la finale, on va dire 4-0. Je ne sais pas comment ils vont faire pour remonter 4 buts au match retour. À l'origine, cette lourde frappe d'abord de Bedi qui est repoussée et ce mauvais contrôle derrière. Et c'est Segun Luba qui marque encore ce but. Quelle occasion! C'est inespéré. Je crois que les Tunisiens ont... Ils ont donné ce match. Il n'y a rien à dire. Ils ont perdu le fil conducteur et
à l'heure de jeu, ils sont menés 4 à 0. Je ne sais pas comment ils vont faire, il reste 30 minutes. Et le TP Mazembe est installé sur une voie royale. Et ce gardien de but qui fait ce qu'il peut. Ah, c'est pas un grand match, hein, c'est pas une grande finale, mais on a 4 buts parce qu'on a une équipe qui a de la réussite en face et une autre. Wow! Et cette frappe détournée en corner. Ça n'arrête pas sur son but. Le pauvre Wassim Naoura. On a le sentiment que les Tunisiens sont enfermés dans une espèce de grosse machine à laver comme ça, où ça tourne dans tous les sens et il n'y a personne dans cette équipe pour trouver le bouton stop et appuyer dessus pour arrêter le mal au crâne qu'ils ont en ce moment. Attention. Sans être éblouissante, sans être extraordinaire, le TP Mazembe est en train de se succéder à lui-même au palmarès de cette compétition Orange CAF Champions League, la Ligue des Champions Orange 2010. À cet entaille patron qu'elle affronte les Tunisiens ce soir, complètement désorganisé. À partir du moment où l'équipe tunisienne a encaissé le premier but, elle est sortie de son match, parce que si vous n'étiez pas avec nous, sachez qu'elle évolue à 10, cette équipe tunisienne, depuis la 23e minute. Et jamais elle n'a trouvé. Incroyable, mais vrai. Comment a-t-il pu manquer cette occasion? Kassongo. 7 mètres 32, plus de 2 mètres de hauteur, et il trouve l'occasion de la mettre au-dessus alors qu'il y avait Sigoun Louma qui tranquillement pouvait la déposer. Et le dégagement de Ziad Derbali. En tout cas, si le score en restait là, le TP Mazembe pourra dire merci. Merci à son buteur providentiel aujourd'hui, auteur d'un doublé. On va suivre cette action d'abord. Given Sigoun Louma,
le Zambien. Hyper réaliste et d'un réalisme complètement froid en plus. Au bon endroit, au bon moment. Alors qu'on va effectuer un deuxième changement, la sortie de Michael Eneramo, le Nigérian, qui n'aura rien pu faire ce soir dans le naufrage collectif du navire Saint et Or. Et l'entrée en jeu de Khaled. Ayari. Pour les 24 prochaines minutes. Alors que notre ami réalisateur congolais s'attarde sur quelques actions de l'équipe congolaise. Attention encore à ce ballon, le mauvais contrôle. Given Sigunluma, 24 ans, arrivé seulement cette année, on peut dire que le staff technique du TP Mazembe a eu le nez creux hein, pour aller le chercher, lui qui évoluait jusqu'à présent en Afrique du Sud, dans un club appelé Bay United. Bravo, parce que il a été présent. Le voici, le Zambien. L'Espérance de Tunis qui... Il y avait déjà croisé cette équipe même du TP Mazembe. C'était c'était déjà à l'époque. On va suivre cette action d'abord. Attention hein. On va suivre le corner avant de revenir sur l'historique des confrontations entre ces deux équipes.